Le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque métropolitain de Bangui, a effectué du 20 février au 5 mars 2019 une visite pastorale au nord-est de Centrafrique, plus précisément dans les villes de Bria, Ouadadjalé, Birao et Amdafok, qui sont dans le diocèse de Bombari. Pour cette visite pastorale, la première du genre qu'a connue la région, le cardinal Dieudonné Nzapalainga a été accompagné de l'évêque de Bombari, Bertrand Richard Aporan Galanibé, et de certains prêtres, abbés et religieuses. Au volant de leur voiture tout terrain, ces prélats ont parcouru des milliers de kilomètres pour toucher du doigt les quotidiens de populations qui couprissent sous la misère cause de la crise militaro-politique que traverse la RCA. À cet effet, le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque métropolitain de Bangui, a rencontré des chrétiens qui n'ont plus reçu la visite d'un serviteur de Dieu d'un tel rang. Le cardinal leur a enseigné la catéchèse, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Les autorités locales, les chefs de groupes armés ont aussi bénéficié des conseils du cardinal. À Ouada, une ville où le cardinal Dieudonné Nzapalainga est passé, une femme accoucheuse a marqué les prélats à cause de son travail pour sauver la vie des femmes en grossesse et des bébés dans une région abandonnée. Bien que mnenge kodro tiwada na legeti bibeti mi simbigo na danganga tiwada mi manda kwa si kbaliasi akota zoni kwa ikina bangi simbimbambi ki mu mamboko na ita timbige na wada iki wara yoro ngape me na legeti abu bangere swa ki gana yoro iki warani iki swanye nazo me ayiti kwa zoni titene mo kai kobera na tereti zulu duti zoni ikina kodro tiwada pe. Le maire de Ouada également s'est exprimé. Le plus dramatique, c'est la question des routes. La route, il n'y a pas de route. Par un moment, on avait affaire à des pistes de bœufs, on peut dire ça comme ça. Il fallait chercher. Vous-même, vous l'avez vécu avec nous. Il fallait chercher des routes, des passages pour pouvoir circuler. Et même, nous nous sommes égarés sur plusieurs kilomètres, 45 kilomètres. Quand on fait ça deux fois, ça fait pratiquement
90 kilomètres. Tout cela témoigne à suffisance de la difficulté que nous avons à circuler dans notre diocèse, dans cette partie du diocèse de Bambari. Naletia zokwe ifanzalati beti ti waranzoro koti ingogi yawe. Aike mabeti isi, aike nagunda cha yeso, isara nanguso, tileke beti ti waranzoro koso. Mabeti ina nzapa alondo nalaniso igafi iliso, amo ringeti nzapa asina laso. Ababa na mamati, yazo akbuliti, awapango teneti nzapa na hii. Amumaboko na hii, titene mabeti yakono. Padela nga lakwe, timu maboko na isi iga, iinga nzoni nzapaso, iye danalo. Bia Jezu, aye titene iga aitatilo. Tiye da, iye danatene, ti dunia, ti iti ga aitati Jezu, iye da. Iye da. Iye ti, fa ziangobe na nzapababa na Jezu Christ, molenge tilo na ingo ibia, iye da na tizia beti i. Nanzapa baba so amu fini na i si asara akota nzoni ye iye da mabeti aike timbinga aike mabeti eglise tunga so na yati ingobia ekwe eke leke beti titene warapadeso kota yeso nzapa leke nindali ti i. Amen.
mois d'Adjali, après l'administration du sacrement de confirmation. Le cardinal du Dunesa Palenga a échangé avec certains responsables des militaro-politiques dont un livre ici ses impressions. C'était depuis que MSJ est en train de revendiquer des droits. Et puis MSJ, c'est un mouvement qui est vraiment en première position pour recueillir encore ou pour accepter la paix qui revient en République centrafricaine. Avec l'accord du Khartoum, nous, notre position, MSJ, nous voulons seulement la paix. Donc si le gouvernement prend ça en acte, nous sommes prêts à déposer les armes. Dans toute société du monde, il y a toujours des problèmes. Mais quand il y a problème, il faut vraiment s'asseoir sur une même table pour arranger les problèmes. Donc c'est ce que j'envisage à les faire. Avec les concours de l'autre du cardinal, d'ici 2 ou 3 jours, on peut se voir avec les autres pour qu'on puisse s'asseoir sur le même table pour arranger cette problème. Sur le plan national, si les Centrafricains trichent la situation de la Wakaga, dans la Wakaga, disons la Wakaga, les musulmans et les chrétiens vivent ensemble. Nous sommes en harmonie avec les autres. Il n'y a pas une distinction. Si c'est des centrales, c'est des Bangui truchent à ce que les gens font dans la Wakaga, je pense qu'il n'y aura pas de problème concernant la religion. Nous sommes ensemble avec nos parents chrétiens. Signalons que cette visite pastorale a été l'occasion pour le cardinal et sa suite de connaître les problèmes de développement de ces régions du Nord-Est. Ces problèmes qui ont fait l'objet de discussions avec le sultan de Birao, mais aussi les groupes armés, les autorités locales, mais également tous ceux qui étaient à Birao et Amdafok. Voilà, vous avez touché en doigt, vous avez vu, vous avez vécu tout ce qui s'est passé. Même en arrivant, l'axe qui mène de Bria, Wadadjale, Birao. Vous avez vécu. Donc on ne peut pas le dire en venant ici. Est-ce que vous avez vu des forages ici? Pratiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité. Même le cas du réseau téléphonique. Et vraiment, nous sommes vraiment dans une situation vraiment désagréable. Là, c'est lamentable. Je peux insister là-dessus. Je souhaite à ce qu'on change les réseaux téléphoniques. La première fois, j'étais là. Asara si amnengi ti si du ando ti ten amnengi ni la si agazo abata ya mamani ilu amnengi ni kwao amnengi ti ni minga ga indika pewe akiti kita amnengi so place la fada kana date école encore la dituna ya ti turugu asara zone ya walti briape iunda tana gouvernement place minga atagi na date école il faudrait que le balige ti école zone yi le tukata na ya vrai enseignant si amandaye na legeti fangombeti na amnengeti ba laso amnenge agogi na maître parent asara si maître parent ambena ya tiala amnenge na petit avancer na ina devant pe iwani tene avenir ti ya ka amnengeti mais laso iwani pousso amnengeti ngbiza na mageti poko asara njoni pepe ya walti briya ike ambati ya pe iki preti tene ina ambati kuiti mi place ako si tene fadi ke ambati mon petit ba marati qualité ti so geso kwa pe. Mais il y a un gouvernement qui le pense quand même dans deux tiers à Wallis. Si tu es un gouvernement, il y a un conseiller là. Ou un conseiller là, Karawali. Même quand tu m'as dit que tu as fait le kit, tu as fait le kit. Mais tu as fait le kit. Tu as fait le kit. Pour ta boîte, si tu as fait le kit, tu as fait le kit. Tu es obligé à la paix. Tu as fait le kit aussi. Tu as tourné face à la difficulté.
il a difficulté. Il pensait que si que à la monnaie ma boca personne difficulté ça kunja mal insécurité. Dis quoi il casse son trafiquant. À la longue jusqu'à si amda foxo. Pour qui c'est cette chose c'est à la enseignant ceci dans niveau petit état quand même. À la tu n'as même le diplôme enseignant mais ils ont état quoi tu as encore maître. Ça au long du collège jusqu'à na école primaire. Dis wani na volontaire tu as mangé tu quatre là il picali de gauche à droite. Les gagnants à partir là. Il te l'a ni polé l'intérieur radio déjà à télévision. Pour une fois, il n'a pas gagné pas mal de la télévision. Il est sur mon terrain, il a un gâteau non plus. Sans trafic, à zoo même d'une amour bébé, il n'a rien. Bah démarche à la guerre, bah tout tout à la guerre. Même temps, mais qui les bat dans la guerre là? À faire souffler maman tchala, à baba tchala, à ita tchala. Parce que ton comme gouvernement là, parce que on a monté maman comme gouvernement, on a un diable gouvernement. Mon nom est Barré, mon notaire, il a conversé. Il représente une jeunesse. Et... Non, mais il est là. Il est là. Dans ces villes, le cardinal a conféré le sacrement de confirmation aux baptisés qui n'en ont pas eu pendant longtemps. Le cardinal a fait l'espérance du mauvais état des routes qui rend impossible la circulation des biens et des personnes dans la zone, puisque son véhicule s'est renversé. Pour le cardinal Dieudonné Zapalainga et ceux qui l'ont accompagné, cette visite pastorale a été une occasion de constater de plus près la misère ambiante dans laquelle vivent les populations des régions du Nord-Est, à savoir
le manque d'infrastructures routières, éducatives, sanitaires adéquates. L'évêque de Bombari, Bertrand Richard Apourangana-Libé, qui a accompagné le cardinal Zapalainga dans ces zones qui sont sous sa juridiction, répond à cette préoccupation. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas mon œuvre, alors je confie tout cela à la prière des uns et des autres et je crois à la force de la Providence qui va nous aider à pouvoir relever, vous l'avez dit, ces grands défis, ces plusieurs défis. Déjà, du point de vue du nombre de nos pasteurs, les prêtres, nous avons une pénurie des prêtres, une pénurie des religieuses. Or, il semble que pour que l'Église puisse se déployer véritablement dans ces zones, des zones reculées, des zones oubliées, disons-le comme ça, il faut qu'il y ait de ces pasteurs pour pouvoir accompagner l'action pastorale de l'Église. Et c'est là où nous nous butons quand nous pensons à tous ces défis qu'il faut relever, au-delà de la question des routes. Ça, c'est une épine dans nos pieds. Vous avez vu que par moment, nous sommes plusieurs fois embourbés dans les sables, dans la boue. Et tout cela ne fait que compliquer la tâche pour nous. Mais comme la parole de Dieu le dit, il y a un temps pour tout. Nous espérons qu'il est maintenant venu ce temps-là pour un renouveau de notre pays, avec l'accord de Khartoum. Beaucoup de gens comptent sur l'application effective de ces accords, de sorte que le peuple centrafricain puisse vivre dans la paix et la quiétude. Le cardinal Dieudonné Zapalainga, archevêque métropolitain de Bangui, témoigne ici la difficile condition de vie dans les zones qui ont fait l'objet de sa visite pastorale du 20 février au 5 mars 2018. Ressortissants de la Vakaga qui pleurent beaucoup, en terrain de guerre, commencent par déposer des armes, créer des conditions. Il y a beaucoup de barrières dans presque chaque village. On ne pourra jamais développer le pays. Ainsi, il va falloir que ces jeunes aussi retournent à leurs activités primaires. Ça veut dire, si vous étiez commerçant, allez, reprenez votre activité. Si vous étiez aussi paysan, ainsi de suite. Je le dis parce que le développement de cette région se fera avec les jeunes que j'ai rencontrés. Quand on regarde aussi au niveau éducatif, beaucoup d'écoles, il n'y a que des maîtres par an. Je prends le cas de Birao. Eh bien, au niveau de Birao, il n'y a que deux enseignants, le reste, c'est les maîtres par an. Mais comment pourrons-nous réussir une éducation dans une ville, je vais parler là de Guali, où on était arrivé. L'enseignant qui est là, de bonne volonté et autres, eh bien, sa formation, je pense, c'est maître par an. Eh bien, il a reçu ce qu'il pouvait. Mais quand on commence à poser des fondations avec des erreurs, avec des fautes, qu'est-ce qu'on pourra faire plus tard pour la construction de la grande maison? Ce sont des questions réelles que nous nous posons parce que nous pensons que si on n'intervient pas pour envoyer des professionnels, ne fût-ce que renforcer les capacités de ceux qui ont de la bonne volonté et qui se disent déjà maîtres par an, pour qu'ils puissent avoir la pédagogie. Parce qu'on ne s'improvise pas enseignant, ou bien parce qu'on sait lire et écrire, qu'on devient enseignant. Non, c'est un métier. Chez nous, on parle de vocation. Et ça, je voudrais que le gouvernement puisse jeter son regard sur cette région, la Vakaga, sur la Haute-Côte, dans beaucoup d'endroits où nous sommes passés, eh bien, école, santé, et la route, il y a la question de l'eau potable est une question qui se pose avec acuité. Vous avez des gens qui boivent la même eau que les bêtes, et ça, je l'ai vu de mes yeux. Et la préoccupation est grande. On s'étonne qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, diarrhée, ainsi de suite. Il va falloir que dans certaines villes ou villages, qu'il y ait des points d'eau. L'eau, c'est la vie, disait Thalès. Même, il faudrait qu'on offre cette eau-là potable à nos populations pour qu'elles puissent boire. Voilà les grands défis que je me dis. Voilà, bilan mitigé.
Bien sûr, enthousiasme, joie, accueil, ferveur, la pastorale. Et les gens sont restés des années et des années, malgré que le prêtre n'était pas là, pour continuer à croire en Dieu. Ah, ce sont des messages forts que nous retenons aussi de ce moment que nous avons passé à Bakaga et la Haute Côte. Il est l'endroit où il est.